Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour un full face. Comme vous pouvez le voir, on part de zéro là, clairement on part de zéro. Je me suis juste lavé le visage et hydraté le visage. Donc hydratation et laver le visage, c'est fait. Donc maintenant on va tester plein de produits que j'ai à tester avec vous. Alors c'est pas forcément des nouveautés, mais c'est des nouveautés pour moi, dans le sens que c'est des produits que je n'ai jamais utilisés, que je n'ai jamais testés. Alors certains vous les avez vus dans le haul de haul sold, parce qu'il y a pas mal de choses du haul sold, donc je vais vous montrer au fur et à mesure et on va tester ça. Alors tout d'abord déjà j'ai la base de chez NYX, pardon, je vais y arriver. Celle-ci en collaboration avec Sex Education, donc c'est une base qui est censée flouter. Donc écoutez, voilà, il y a écrit à utiliser seul ou avec un fond de teint. On va utiliser un fond de teint aujourd'hui. Donc, elle est toujours scellée sous opercule. Je n'arrive plus à parler aujourd'hui. Alors, voyons voir ce que ça donne. Mon petit miroir à côté. Dites-moi si vous aimez bien les full face comme ça. Et si vous aimez bien, j'essaierai d'en faire assez régulièrement quand j'aurai des nouveautés. Parce que elle est bizarre. D'accord, alors là, elle fait des morceaux. Je vais prendre un coton parce que là, en fait, elle est en train de faire des morceaux. Je ne sais pas si c'est normal. C'est très bizarre déjà. Peut-être que c'est le début du produit. Ah ouais, non, mais là, elle fait des morceaux carabinés, quoi. J'arrive même pas à mettre les morceaux. Ouais, non. Bon, peut-être c'est le début. Non, elle fait des morceaux, je vous jure. Elle fait des morceaux, la base. Je crois qu'elle est plus bonne. Hein. Parce que regardez ce qu'elle fait. Elle fait plein de petits morceaux. D'accord. Pourtant, vous l'avez vu, elle était sous opercule. Écoutez, je vais pas m'aventurer à l'utiliser aujourd'hui. Je n'ai pas envie d'avoir ma peau qui est dégradée, mais clairement elle fait des morceaux. Si vous avez des, si vous l'avez déjà testé ou quoi que ce soit, dites-moi si elle fait ça. Mais là non, je vais pas risquer à utiliser ça. Donc écoutez, bon, pour l'instant flop. Heureusement j'ai une base à côté de moi, c'est la base Beauty Bay en spray. Je vais la mettre vite fait, mais si elle fait ça la base, ouais, hop, voilà, c'est une base qui contrôle l'excès de sébum. Donc du coup c'est une base en forme de spray. J'utilise beaucoup en ce moment. Donc voilà, elle était sur ma coiffeuse. Mais là-bas, je suis un peu choquée de ce qu'elle fait. Franchement, elle donne pas du tout envie d'être appliquée sur le visage. Hein. Donc ouais, d'accord. D'accord. Bon, bah déjà, premier flop de la vidéo. Ensuite, j'ai un fond de teint ici. Donc c'est le Rimmel Lasting Matte. Donc un fond de teint Rimmel à tester avec vous. Donc c'est un fond de teint matifiant et couvrance totale. Donc les fonds de teint que j'aime bien, puisque moi mon fond de teint préféré c'est le NYX, le Can't Stop Won't Stop. On va voir si celui-ci est aussi couvrant et si déjà c'est la bonne teinte, parce que j'ai une peau très claire, donc j'ai peur au niveau de la teinte. Je vais le secouer avant de l'utiliser. Donc en général les peaux comme ça, il faut bien les malaxer comme ça en fait, tout simplement pour, au cas où qu'il s'est biphasé, le remettre tout simplement. Et avec, donc on va tester une éponge de chez Makeup Revolution. Vous savez, c'est l'éponge que j'ai voulu tester dans le coffret Toasty Amber, je sais plus quoi. Et je vous avais dit qu'il y avait une éponge et qu'on la testerait ensemble. Bah, du coup, je vais la tester. Je l'ai humidifiée et regardez-moi comment elle est. Je sais pas, ouais, j'ai la Beauty Bay sèche à côté. Vous voyez que ce n'est pas du tout la même taille. Bon, la Beauty Bay, il va falloir que je la jette parce qu'elle commence à être au bout de sa vie. Mais du coup, si celle-là est bien, je remplacerai la Beauty Bay par celle-là. Donc, on va tester ça tout de suite. Alors, j'espère que ça va être une bonne teinte. Oula, ça a l'air un peu clair. Bon, on va essayer quand même. Il est très, très, très épais. Il est très, très épais. Hein. Il ne bouge pas, en fait. Bon, on va voir ce que ça donne. Ouais. Il a l'air très épais. Bah niveau de la teinte, pour l'instant, écoutez, ça se fond très très bien. Pour l'instant, ça va.
Couvrance totale, pour le moment, non, 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 pour le moment, on n'y est pas. Je vais essayer de rajouter une petite couche. Alors, matifiant, je suis d'accord, dans le sens où pour l'instant, ce n'est pas un fond de teint qui a un effet glowy. Donc, je suis assez d'accord. Après, couvrance totale, non, franchement, couvrance totale, je suis pas du tout d'accord avec ça. Mais après, j'ai l'impression, je sais pas, que l'éponge absorbe beaucoup. Beaucoup, beaucoup le fond de teint. Donc, bon. Après, vous voyez que niveau teinte, ça va. Après, j'ai une peau très, très claire. Donc, moi, j'ai pris la teinte Warm Porcelain, je crois. Ouais, c'est ça. 010 Warm Porcelain. Il était en promo. À la base, je crois que c'est un fond de teint qui coûte une douzaine d'euros. Et là, je l'ai eu à 3 euros. Donc, je me suis dit, ben, fonce, quoi. Et puis, comme j'aime bien tester aussi, parce que je me dis... Si je reste tout le temps sur mon X, et ben à force, je vais pas tester de fond de teint. Et donc là, j'avais vraiment envie de tester un fond de teint. Couvrance totale, non, non, on n'y est pas. Il est quand même assez blanc. Il est assez clair quand même. Vous voyez plus clair parce que j'ai les éclairages artificiels au-dessus. Mais ouais, il est quand même assez clair. Après, je trouve que dans la vraie vie, ça va. Franchement, ça se fond bien. Moi, voilà, couvrance totale, je suis pas trop d'accord. Je pense que c'est plus un fond de teint que j'utiliserai quand j'ai... Pas trop de boutons, parce que là, vous pouvez voir que niveau boutons sur mon visage, on est... voilà. Ils ont invité leurs copains, hein, clairement. Ils ont tous décidé d'inviter leurs copains et de dire c'est la fête sur le visage. Mais sinon, il unifie très très bien le teint. Franchement, rien à dire sur ça. Je vais faire le nez, maintenant. Hop. Je pense que je vais le mettre avec le NYX. Donc, dans le sens où le NYX, ce sera pour quand j'ai beaucoup de boutons, comme en ce moment. Et celui-ci, ce sera pour quand j'en ai pas vraiment... Quand j'ai pas vraiment de boutons en fait, tout simplement. Hop, je vais en rajouter un petit peu sur le menton. Il est modulable puisque quand j'en rajoute sur le menton, ça va. Pour l'instant, sur la peau, il n'a pas un effet trop. Enfin, il est pas moche en fait, il est très joli. Donc, franchement, pour le moment, écoutez, il est mat. Je vais mettre ce qui restait sur ma main, sur cette joue. J'ai plus rien sur ma main, comme vous pouvez le voir. Voilà, j'ai tout appliqué sur mon visage. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, c'est vrai que les boutons, ils sont quand même... Voilà, même avec le NYX, ils sont pas cachés complètement. Donc, voilà. Mais bon. Ensuite, maintenant, du coup, j'ai des pinceaux, là, de chez Nocibé. Donc, le kit de pinceaux que je vous avais montré dans mes soldes. Et j'ai un bon de réduction qui vient de partir. Donc, voilà, c'est un kit de pinceaux avec pas mal de pinceaux. Donc ça, on va les utiliser durant la vidéo, mais pour l'instant, on est au correcteur. Je voulais juste vous les montrer pour ne pas oublier de vous les montrer. Pour le correcteur, je vais laisser le Camouflage Plus de chez Essence. C'est pas une nouveauté pour moi, mais j'ai pas de nouveau correcteur à tester parce que sur les correcteurs, je suis très difficile. Vous voyez qu'il me reste pas beaucoup de NYX, de Essence. Je dois aller en rechercher lundi, ce serait vraiment bien. Mais non, sur les correcteurs, je suis assez pointilleuse en règle générale. Et quand j'en trouve un, enfin là, le Essence, je vais faire des stocks. Là, quand je vais aller le chercher, lundi, je vais aller m'en prendre 2-3 parce que, comme ça, au moins, j'aurai un stock. Hop. Ça, franchement, c'est pas une nouveauté. C'est un anti-cerne qui est très, très bien. J'ai rien à dire, donc je le mets sur mes paupières pour le mettre en base à paupières parce que comme on va tester aussi une palette aujourd'hui... je mets pas de base à paupières quand je teste une palette. Donc du coup, hop. Mais je mets quand même le correcteur qui fait quand même office de base à paupières, hein, faut le dire. Hop. Voilà. Bah, écoutez, l'éponge, elle est très très bien, très très souple. J'arrive à faire mon teint assez rapidement. Le seul problème, c'est qu'elle boit beaucoup de matière, mais je pense que c'est parce qu'elle est neuve. Alors à mon avis, elle boit un peu de matière à cause de ça. Fond de teint plus correcteur, c'est un combo que pour le moment j'aime beaucoup. Dans le sens où avec une pointe de correcteur sur les petits boutons, vous voyez que j'arrive à avoir un teint quand même très uniforme. Donc franchement, c'est un combo que j'aime beaucoup pour le moment. Ensuite, alors déjà je prends ma houppette et du coup on va tester une nouvelle poudre. Donc c'est la Cherrylicious Setting Powder de Action. Vous savez, ils ont sorti les nouvelles poudres. Je ne sais pas par où l'ouvrir. Je ne sais pas. Ils ont sorti les nouvelles poudres. Moi, j'ai déjà celle à la coco et celle, c'était coco et pêche, je crois.
J'ai déjà celle à la coco et celle à la pêche. Et franchement, elles sont hyper, hyper bien. J'aurais peut-être dû ouvrir les paquets avant de commencer la vidéo. Mais j'ai pas été très intelligente sur ce coup-là. Hop. Donc là, on va tester la cerise. J'ai acheté la banane aussi. Mais j'avais vraiment envie de tester la cerise aujourd'hui. Donc, on va la tester. À l'intérieur, j'ai oublié de vous dire combien il y avait de grammes. Il y a 22 grammes dans les poudres. Ce qui est très, très... qui est énorme. D'accord, ok, le tamis s'est complètement barré de ma poudre, déjà. C'est génial. Est-ce qu'elle sent la cerise? Oui, elle sent la cerise, mais elle sent pas des masses non plus. Et j'ai mon... La poudre, elle est toute dégueulasse, puisque le tamis n'a pas fait son job. Enfin, la petite opercule, là. Elle a pas du tout fait son job, donc là, par contre, je suis pas... Action, là vous déconnez. Hein. Mais bon. Je nettoierai tout ça après. Donc je vais en mettre dans le capuchon. Dans le capuchon. Hop. Il n'y en a pas beaucoup qui sortent. Hein. Eh, c'est le crash test de... C'est le crash test des problèmes ou quoi? Entre la base, la poule. Il va falloir que je trouve c'est quoi le problème. Bon, pour l'instant, j'ai mis ça dedans. Donc, écoutez, on va voir. Là, j'ai un fond de teint mat. Il est très, très mat. Bon, par contre, je sens que si je le poudre pas, il va partir, tout simplement. Il va migrer. Mais j'ai un fond de teint mat. Donc, normalement, ça devrait le faire. Je veux dire, normalement, on devrait pas avoir... Alors, qu'est-ce que ça nous fait? Hop. Hop. La poudre n'a pas d'effet floutant en particulier. Hein. Après, les poudres de chez Action, je sais que la coco, elle est là. Elle est dans ma... Pas dans ma rotation, parce que je ne fais pas de rotation, mais dans les produits que j'utilise en ce moment. Du coup, bah, je l'aime bien, je l'ai retestée, etc. Et du coup, quand ils ont sorti celle-là, je me suis dit, bah, écoute, on va les tester. Parce que j'avais soit pour le crash test d'aujourd'hui la poudre là, soit j'avais la banane. Ou soit j'avais potentiellement la essence, vous savez, sauf que la essence, je vous la montre à chaque fois. Donc voilà, au niveau du menton, parce que j'ai mis masse de produits. Et je crois qu'elle fait un reflet flashback par contre. J'ai l'impression que ça se voit déjà dans le miroir, je le vois. Je le vois dans le miroir, donc bon, c'est pas l'idéal déjà. Après voilà, si une journée banale, je veux dire, moi là aujourd'hui je vais rien faire d'extraordinaire. Donc, je vous mettrai de toute façon une annotation en barre d'infos pour vous dire si les produits ont plus ou moins tenu sur moi. Donc, je vous dirai ça. Hop. Je fais aussi ici en poudre parce que tout simplement, quand je descends mon fond de teint, hop, il faut que je mette de la poudre ici aussi. Oui, je poudre vraiment beaucoup mon visage hein, parce que j'ai une peau grasse tout simplement. Hop, et maintenant du coup je vais prendre un pinceau du kit, donc je vais prendre le gros pinceau qui est ici. Ok, sans le faire tomber serait mieux. Ils sont très très beaux, par contre, je fais tout tomber. Ils sont très très jolis, je sais pas ce que vous en pensez mais je les trouve magnifiques. Ceux de l'année dernière, je sais pas si j'en ai un là. Hop, ceux de l'année dernière ils étaient comme ça. Voilà, ils ont changé de design, donc voilà. Donc là c'est un gros pinceau et je vais venir tout simplement prendre la poudre qui reste. Et je vais venir passer tout simplement un coup de poudre comme ça sur le teint. Hop. Là, je vais prendre carrément dans le pot parce que... Hop. Bah écoutez, le pinceau, il est très très bien pour l'instant. Après, bon, c'est un pinceau pour appliquer de la poudre. Hein. C'est pas... Voilà. Je passe un gros coup en fait. Surtout mon visage. Hop, tout simplement pour... déjà, ça enlève l'excès. Et puis là, c'est pour vraiment, vraiment... Que ce soit encore plus matifié. Voilà. Donc voilà pour ça. Je vais la refermer. Écoutez, pour l'instant, la poudre, elle est bien. Franchement, elle ne fait pas d'effet matière sur le visage. Elle poudre bien, à voir si elle tient dans le temps. De toute façon, je vous mettrai des annotations parce que les produits comme ça, c'est vrai qu'en général, il faut un peu plus de temps pour les tester. Mais pour l'instant, ça va. Je suis assez satisfaite. Ensuite, on va passer au blush. Et le blush, donc c'est un blush de chez KVD. Donc c'est le blush que vous avez vu dans le haul de décembre. Je ne l'avais toujours pas testé, j'ai juste swatché. Donc c'est un blush qui est entre la poudre et entre la crème en fait. Donc bon, voilà, il est là, il est entre la poudre et la crème.
Je vais venir avec du coup un pinceau du kit toujours, mais je vais prendre le pinceau qui est là. Donc c'est un pinceau un petit peu biseauté. À la base, c'est peut-être pour faire le bronzer, etc. Mais aujourd'hui, je vais pas faire de bronzer, tout simplement parce que j'ai pas du tout envie de sculpter mon visage aujourd'hui. Je trouve que ça va, il est déjà assez... voilà. Je sais pas, j'ai pas forcément envie de faire du bronzer aujourd'hui. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Ah, c'est une texture à pas faire comme ça. Allez-y doucement, très doucement. Allez-y doucement, effectivement, parce qu'il est très pigmenté. Le pinceau est hyper pratique pour faire ça, franchement, c'est super pratique. Les pinceaux sont d'une douceur, par contre, extraordinaire. À la caméra, on dirait j'en ai mis une tonne, alors j'en ai même pas assez dans la vraie vie. C'est incroyable. Ok, on va estomper ça. Bah, il s'estompe très bien. Bah écoutez, franchement, le blush, très étonné pour l'instant. Il est très très bien. Bon après moi le blush, vous allez le voir en fin de vidéo, il se sera estompé. Parce que je sais pas pourquoi j'ai une peau qui estompe les blushs. C'est un truc de fou. Hop, là j'en ai mis une tonne de nouveau. Voilà, j'estompe, hop. Bah écoutez, pour le blush, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve très très joli. Il est un petit peu lumineux, un tout petit peu. Je pense que vous pouvez le voir qu'il est un tout petit peu lumineux, mais je le trouve très très joli. J'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup beaucoup le blush. Donc c'est les blushs Overlasting. Donc celui-ci, c'est le Fox Glow. Donc hop, c'est les blushs comme ça avec les super beaux packaging, magnifique. Maintenant, on va passer à l'highlighter. Donc, pour l'highlighter, j'ai une petite palette comme ça de chez Action. Donc, c'est la marque Fab Factory. Et je l'ai vue et je me suis dit, j'ai trop envie de tester. Donc, c'est, hop, une petite palette comme ça. Donc, avec une couleur plus claire, une couleur plus bronze, une couleur rose. Je vais utiliser la couleur plus claire. Forcément, avec un pinceau du kit toujours. Donc, le pinceau éventail du kit. Et on va prendre du coup la teinte. Est-ce qu'il y a des noms de teintes? Non, il n'y a pas de nom de teinte. Par contre, vous voyez, c'est des petits cœurs. Donc je pense que ça a été fait pour la Saint-Valentin. Alors, on va essayer ça. Bah écoutez, oui. Oui, oui, oui. Il est joli. Il est très très beau. Après, il marque les boutons. Parce qu'il marque mon petit bouton ici. Ça, je suis pas trop trop fan par contre. Bon, c'est pas grave, mais de toute façon un highlighter ça vient souvent marquer tout ce qui est boutons, ridules, etc. C'est voilà, hein, c'est de la brillance. Par contre, il est très très joli. Alors quand vous utilisez les pinceaux comme ça, faites attention de ne pas avoir la barre en fait. Du coup, dégrader peut-être un petit peu comme ça, hop, dégrader un petit peu, histoire de ne pas avoir la grosse barre d'highlighter toute moche qu'on connaît. Hop, un petit peu sur le bout du nez. Et un petit peu sur l'arc de Cupidon. Écoutez, c'est un très bel highlighter. Pour l'instant, je ne suis pas déçue de beaucoup de choses, en fait. Pour l'instant, je suis juste dubitative sur la poudre. Et ben, je pense que le gros flop de la vidéo, c'est la base NYX, quoi. Qui a dû complètement périmer, en fait. D'accord. Maintenant, on va juste passer déjà un petit coup de spray fixateur. Donc, c'est le Calming Makeup Fixing Spray. Weave Cannabis Sativa, donc c'est un spray au cannabis. Par contre, je ne sais pas si c'est sur ce produit-là. Non, c'est sur l'autre produit. Sur la base, dans le même format, parce que j'ai une base dans le même format que vous verrez dans un autre full face que je ferai peut-être dans 2 semaines. Il faudra que je voie parce que dimanche prochain, normalement, vous avez le full face Marc Jacobs. Donc là, j'essaie de vous faire des full face tous les dimanches. Donc voilà, j'essaye. J'essaie quand même de... Après, j'aurai pas tout le temps des fonds de teint à tester, tout le temps des choses à tester, mais voilà, de vous inclure des petits trucs. Bref. Et sur donc, la base du même type, il y a écrit « Éviter pour les femmes enceintes ». Donc, je ne sais pas. Je sais pas. Ça me fait un peu peur, mais bon. Voilà. Alors, celui-ci, j'ai le... Oui, il avait coulé, je me souviens. Il avait un peu coulé, bon, c'est pas grave. Je vais... Hop, l'amorcer. Ça a l'air d'être une brume que j'aime beaucoup. Mon spray fixateur de tous les jours en ce moment, c'est celui-ci. C'est le Biphase, le Fix Makeup. Donc, on va voir ce que celui-là promet. À
Déjà, il prend mes quoi? Ah, il sent bon. Il sent très très bon. Eh ben, il promet. Est-ce que ce serait bien d'avoir écrit en français, s'il vous plaît? Parce que là. Il a un fini mat et il sèche en 60 secondes, apparemment. Écoute, on va voir. On va voir s'il permet de garder mon make-up toute la journée. Après, moi, j'utilise pas de spray fixateur effet glowy parce que je déteste ça. Mais on va voir. Mais en tout cas, il sent très très bon, hein. Il sent très très bon. Maintenant, on va passer à la palette. Donc ça, je l'attends aussi avec impatience. Alors le seul produit que j'ai pas nouveau, ce sera le l'eyeliner. Donc quand j'aurai fini de faire mes yeux avec la palette, je couperai et je ferai, enfin, je couperai, oui, je couperai au montage tout simplement. Je ferai le liner hors caméra parce que ça, hein, que je vous fasse le liner avec un liner que je connais déjà. Je vais enlever mon petit pot. Voilà. Et du coup, c'est la palette Beauty Thales qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, je vous avais dit que c'était celle qui m'intéressait le plus des deux que j'avais achetées. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de tester celle-ci aujourd'hui. Hop, donc elle se présente comme ceci. Elle est très, très grande. À l'intérieur, vous avez 35 fards. Et donc, chaque fard fait... Je ne sais pas si... chaque fard fait 1 gramme, ce qui est très très bien. C'est de la marque Makeup Revolution, mais de la gamme Makeup Obsession. C'est cruelty free et vegan. Ils sont engagés contre les plastiques, blablabla. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit sur la palette. Donc je vais l'ouvrir. Hop, le petit film de protection. Et du coup, les teintes sont comme ceci. Donc vous avez un miroir et les teintes sont comme ça, comme ceci. Je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai pas trop d'idées, à vrai dire. Je pense à un make-up assez simple, dans le sens où comme je ne sors pas, etc., je vais faire un make-up très simple. Mais peut-être mettre une touche de violet en coin interne ou quoi que ce soit, on va voir. Je vais peut-être aller dans les marronnés et mettre un coup de violet. Ça peut être bien. Par contre, il n'y a pas de nom de fard nulle part. C'est des numéros en fait. Il n'y a pas de nom de fard. Même sur la petite feuille, il n'y a pas du tout de nom. Donc, ça, c'est un peu énervant. Bon, pas pour les gens qui ne font pas de tuto, mais pour moi qui fais des tutos, c'est vrai que c'est un petit peu énervant. Alors, c'est un peu le bordel là du coup, mais bon. Je vais prendre les trois pinceaux du kit. Donc, si j'ai besoin, j'ai mes pinceaux à disposition, bien sûr, hein. Donc, dans le kit, vous avez un pinceau estompeur comme ceci. Vous avez un pinceau plat. Comme ceci, et vous avez enfin là, vous avez un pinceau plat fluffy, et là, vous avez un vrai pinceau plat. Je trouve qu'il manque peut-être un petit pinceau, il manque un pinceau biseauté et un pinceau précision, mais c'est vrai qu'avec des pinceaux comme ça, on peut largement faire un make-up. Alors, avec le pinceau fluffy, je vais venir prendre la teinte qui est là. Je vais venir prendre la teinte qui est ici. Hop, celle-ci. Je trouve que celle-ci et celle-ci sont quand même très très proches, hein. Je trouve. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve qu'elles sont quand même assez proches. Donc, on va voir la pigmentation. Pour l'instant, sur le pinceau, ça a l'air d'être pigmenté. Est-ce qu'en vrai, c'est pigmenté? Bof, hein. Pour l'instant, on est d'accord que c'est bof. C'est beaucoup moins foncé que dans le pan. Après, est-ce qu'en revenant plusieurs fois, ça ira? D'ailleurs, petite astuce, si vous voulez un make-up plus précis, tenez votre pinceau plus ici, vous aurez un make-up plus précis. Et si vous voulez avoir un fondu, ben, plus fondu, tenez votre pinceau vraiment le plus vers le bas, tout simplement parce que vous aurez les poils qui vont beaucoup plus fondre les teintes. Voilà, c'est une petite astuce que j'avais envie de vous partager. Alors franchement, cette teinte, je ne suis pas vraiment fan. C'est un marron, tout ce qu'il y a de plus classique, très très clair. Non, non, je j'aime pas vraiment. On va mettre une couleur plus foncée après pour foncer la chose, mais pour l'instant, non, franchement, je ne suis pas trop fan de ça. Ah, c'est dommage. C'est dommage, elle avait grave du potentiel, hein. Après, voilà, on n'a pas vu les lumineux, hein. Moi, je sais que... Les formats d'une palette, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse le plus, dans le sens où c'est vrai que je préfère avoir des fards lumineux qui sont très très jolis que des fards mats, parce que les fards mats, franchement, on a assez de palettes avec des fards mats
pour faire un make-up. Donc franchement, voilà, les fards mat, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, entre guillemets. Hop. Bon, bah, je pense qu'on va s'arrêter là avec ce brin-là, parce que je pense pas obtenir plus que ce que j'ai là. Mais du coup, pour foncer la chose, je vais venir prendre la teinte qui est là, qui est très très foncée. Qui est ici, hop, je vais prendre celle-ci. Comme ça, ça va foncer la chose, parce que je déteste avoir les make-up comme ça, hyper clair. J'aime pas du tout. Donc, je vais venir foncer tout ça, en espérant qu'elle soit foncée. Ok. D'accord. Je ne vois aucune différence. Je ne vois aucune différence. Là, je commence à en voir une, mais je veux dire, c'est toujours pas waouh. Parce que je vous rappelle que j'ai une couleur comme ça. J'ai une couleur très foncée et je me retrouve avec quelque chose de pas très très foncé. J'aime pas du tout, du tout, du tout, du tout. Du coup, l'autre, ben, si elle est de la même qualité, ça va pas être des palettes que je vais utiliser très souvent. Hein. J'en mets quand même ici, au cas où que les fards que je vais utiliser, c'est des toppers. Malgré que, voilà, de toute façon, on voit pas, on n'a pas une base très jolie, en fait. Là, on dirait, j'ai fait quelque chose, je sais pas. C'est pas beau. Ah, j'ai trouvé un fard qui, parfait, qui est correct. J'ai trouvé quelque chose, attendez, je vais vous le montrer. Parce que du coup, j'ai mis mon fard dans un autre qui avait l'air foncé. J'ai foncé vraiment toute la paupière, hein, parce que là, je trouvais que ça allait pas. J'ai mis mon pinceau dans celui-ci. Pourtant, vous voyez que c'est des couleurs qui se rapprochent quand même beaucoup. Et finalement, c'est pas du tout la même pigmentation. Donc, hop, je vais faire pareil de l'autre côté comme j'ai fait, hop. Voilà, parce que là, clairement, je fonce toute la paupière. Je cherche pas à comprendre. Voilà, clairement, on est parti sur un petit make-up désastreux au niveau des yeux. Le teint, j'aime beaucoup mon teint pour une fois. Je suis très satisfaite des produits teints. Mais il fallait que ce soit la palette que j'étais pas très satisfaite. Bon, voilà. Ça arrive, hein, on peut pas être satisfaite de tout. Mais bon, ça me, ouais, ça me déçoit un peu. Du coup, maintenant, on va arrêter de s'acharner sur les fards mats. On va tester les fards lumineux. Donc, je vais les tester au doigt. Alors, je sais pas quel fard lumineux mettre parce qu'il faut pas que j'en mette un trop clair comme j'ai fait une base foncée. Mais il faut pas que j'en mette un trop foncé non plus. J'ai bien envie de... En fait, soit j'utilise celui-ci, soit j'utilise celui-ci. Mais celui-ci, j'ai peur que ça fasse trop, trop, trop foncé en fait. Bon, clairement, là, avec ce que j'ai fait, je pourrais plus mettre du violet en coin interne comme... comme je l'aurais voulu, mais ça c'est pas grave. Bah écoutez, on va mettre celui-ci. Et on verra. Il a l'air magnifique. Il a l'air. Parce que les mats ont l'air magnifiques aussi, et ils le sont pas, donc. Alors, est-ce que celui-ci est joli? J'ai l'impression d'avoir un oiseau qui est bloqué chez moi. Bah écoutez, ouais. D'accord. Du coup, ça me fait peur pour le coffret Make-up Obsession que j'avais acheté, quoi. Va falloir que je dégrade, hein, bien sûr. Ne croyez pas que ça va rester comme ça. Je vais venir dégrader. Quand je passe mon doigt sur les fards mats en dessous, les fards mats se... Clairement, non, non, non. Je déteste cette palette. Ben, celle-là, elle va partir dans mes flops, hein, je vous le dis. Vous allez la retrouver dans une vidéo flop dans quelques temps, hein, parce qu'elle est vraiment pas... Non, je n'aime pas du tout. Oui, je vais devoir bien estomper parce que là, ça fait très très moche. Donc, je prends mon pinceau fluffy de tout à l'heure et je vais un petit peu estomper déjà les bords. Hop, pour venir un petit peu estomper tout ça. De toute façon, il n'y a pas grand chose à estomper puisque c'est pas beau. Donc, c'est pas vraiment joli en fait. C'est, je sais pas. Ah, je suis trop déçue. Je suis beaucoup, beaucoup trop déçue. Bon, c'est pas grave. Je vais venir avec le pinceau comme ceci. Le pinceau complètement plat. Venir prendre la teinte qui est ici. Donc, qui est la teinte... Hop,
la teinte là et je vais venir la mettre ici et au creux parce que voilà, je me dis autant rajouter un peu de couleur à ce make-up qui est fade. Franchement, j'ai un make-up fade sur les yeux. J'ai un make-up que je déteste. Il se prend même pas au pinceau, mais c'est quoi ces fards? Eh franchement, je... Non, non, non. Je vous déconseille cette palette. J'ai pris un autre pinceau où normalement les fards se prennent mieux avec. Hop. Voilà. Bon, ça rajoute un peu de lumière, mais déjà, ça fait une grosse barre au niveau de là, déjà. Ah, ça devrait plus faire de... Non, ça fait plus de barre. Mais non, franchement, cette palette, je vous la conseille pas. Gardez votre argent ou mettez votre argent dans des choses, dans des autres palettes Make Up Revolution, comme les Forever Flawless ou quoi que ce soit. Mettez pas votre argent dans celle-ci. Elle est nulle. Désolée pour la marque, hein. J'aime beaucoup Make Up Revolution d'habitude, mais là, là, je suis trop déçue. Là, j'ai un make-up, je n'aime pas du tout ce que j'ai fait au niveau des yeux, en fait. On dirait un make-up d'une personne qui apprend à se maquiller, là, complet, quoi. Je veux dire, on dirait un make-up d'une enfant de 6 ans qui essaye d'apprendre à se maquiller, donc pas du tout. Je vais venir prendre le pinceau-ci du kit, donc qui est assez... je pense que ça pourrait être un pinceau fond de teint. Et je vais venir enlever les chutes avec ce pinceau, hop. Parce que, en plus de ne pas être trop pigmenté et d'être moche, ça a fait des chutes. Donc, en plus, ça me fait une barre. Vous voyez, ça me fait une tache. Je vais essayer d'encore venir estomper, peut-être. Hop. Bah écoutez, je vais rajouter des petites paillettes blanches sur l'autre. On n'est plus à ça près, de toute façon. Hein. Autant essayer d'enlever cette tache-là que le fard m'a fait. Du coup, bah, je vais rajouter un peu de paillettes sur l'autre fard aussi, histoire de briller un peu quand même. Parce que bon, les couleurs sont pas très jolies. Voilà. Bon, je pense que niveau paupières, on va s'arrêter ici. Je vais juste faire mon ras de cils et puis voilà, parce que là, clairement, ça va pas du tout. Je vais prendre un pinceau à moi, ras de cils. Tout simplement, un pinceau biseauté pour faire le ras de cils. Vous savez que c'est les pinceaux que j'aime le plus. Et je vais prendre une teinte assez claire, parce que là, clairement, au niveau foncé, voilà. Ma paupière est déjà assez foncée. Bien sûr, je suppose que le fard ne marquera pas. Pourtant, j'en ai sur le pinceau. J'en ai beaucoup. Ouais, il marque très très léger, quoi. Voilà. Bon, ben, écoutez... c'est pas le seul, la base n'est pas le seul flop de cette vidéo. Hein. On a le deuxième flop qui est donc la palette. Je n'aime pas du tout la palette. Pourtant, vous savez que les palettes, je suis pas. J'en teste beaucoup. Mais en général, quand une palette ne fonctionne pas, j'essaye de lui trouver des excuses, j'essaye de trouver des arguments pour dire oui, elle est très jolie, elle est jolie, machin. Mais là, j'ai pas d'argument en fait. Là, elle ne performe pas, les teintes sont pas jolies. Pourtant, c'est celle qui m'intéressait le plus dans le sens où c'est celle où je trouvais que les teintes étaient les plus intéressantes. On pouvait avoir du potentiel avec cette palette, mais je trouve qu'il n'y a pas eu... non, il n'y a pas la qualité qui va avec. Donc non, pour le coup, très très déçue de cette palette. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais faire juste le liner hors caméra, juste ça, et après je reviens pour le reste. Donc voilà, j'ai fait mon eyeliner, comme une galère n'arrive pas seule, j'ai complètement loupé mon liner, mais là c'est complet. Voilà, donc faites pas attention au liner que j'ai complètement loupé, clairement. Je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas comment j'ai fait pour le louper à ce point, mais je l'ai loupé. Bref. En mascara, donc on va tester le I Love Extreme de chez Essence. Donc c'est un que j'avais dans mes placards que j'avais jamais utilisé. Je me suis dit mais je l'ai jamais testé. Il ne veut pas s'ouvrir, voilà. Hop, donc il est tout neuf. Et c'est une brosse comme ceci en petit picot. On verra ce que ça donne. Alors, est-ce que j'aime bien ou est-ce que j'aime pas? Parce que moi, vous savez qu'en ce moment, celui que j'utilise, c'est le Huda Beauty. Ouais. Mais
mais encore. Oh non! Je me suis mis le mascara dans l'œil. Bon, je m'en suis mis en dessous, mais d'ailleurs, petite astuce pour ça. Après, je viendrai prendre un goupillon et gratter, ça, c'est pas très grave. Bah écoutez, le mascara, je n'aime pas. Catastrophe aujourd'hui. Hop. Il sert à rien sur mes cils. Il y a écrit quand même Crazy Volume, donc volume fou hein, normalement. Je vois pas du tout où il y a du volume. Je vois pas du tout. On n'a pas de volume. J'ai pas de volume, pas de longueur. À la rigueur, il recourt peut-être un petit peu mes cils. Ça, il fait. Mais niveau volume, on n'y est pas trop. Ouais, niveau volume, je crois pas qu'on y est. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Bof, bof, bof. Hein. Bon, écoutez, donc maintenant, on va s'attaquer aux lèvres. Parce que là, j'espère que les produits lèvres, au moins, seront bien. Donc, j'ai deux produits. J'ai soit le Power Plumping Gel Lipstick de Catrice, donc que je vous avais présenté, qui se présente comme ceci. Ou soit, donc j'ai un nouveau rouge à lèvres que vous verrez du coup dans le haul de février, parce que je l'ai acheté ce mois-ci. Un rouge à lèvres de chez Makeup Revolution avec un packaging juste fou, magnifique. En teinte Chocolate Fudge, qui se présente comme ceci. Mais je pense que si j'utilise celui-ci, ça va trop foncer le teint. Oui, ça va trop me foncer la tête, quoi. Grosso modo. Donc, je vais certainement utiliser le Plumping. Et on va pouvoir voir l'effet Plumper. Hein. C'est la teinte Plumping. Non, c'est pas la teinte Plumping. Hein. C'est le Plumping Gel Lipstick en teinte 130. On va voir. Est-ce qu'il plump? Déjà, est-ce qu'il sent la menthe? Il sent la menthe. Alors, ouais, c'est un rouge à lèvres qui sera brillant. Hop. Voilà. Je suis plus habituée à mettre des rouges à lèvres raisin parce que j'en ai pas beaucoup. Alors, je sais là, pour l'instant. Après, j'ai déjà des lèvres assez pulpeuses à la base. Donc, bon, voilà. Il est très clair, par contre. La teinte est super, super claire. Donc, je pense que s'il repulpe les lèvres, ce serait plus un rouge à lèvres à mettre vraiment juste pour repulper les lèvres. Et après, mettre par exemple une teinte de rouge à lèvres normale, basique, quoi. Mais sur moi, en tout cas, il est très très clair. Je suis déjà très claire de peau. Il est très clair, donc j'imagine pas sur les teints plus foncés que moi ce que ça doit faire. Parce que moi, je suis déjà très très claire. Mais c'est vrai que pour l'instant, il ne pique pas. Il ne fait rien. Pour l'instant, écoutez, je n'ai pas de... Voilà, je n'ai pas de sensation. Je vous mettrai en barre d'infos si ça a fonctionné ou pas. Donc voilà pour le look final. Alors, je vais vous faire du coup un petit récap de ce que j'ai aimé et de ce que je n'ai pas du tout aimé. Alors, donc, on va commencer par les flops. Donc, les flops, c'est clairement ces deux produits déjà. Donc, la base NYX et la palette Beauty Thales. Franchement, nul. Le plumper, si c'est juste un rouge à lèvres teinté comme ça, c'est nul aussi. Parce que dans ce cas, autant acheter juste une teinte de rouge à lèvres et c'est la même chose. Et le mascara, bah écoutez, à part noircir mes cils et les recourber, il fait pas grand chose. Donc celui-là, c'est plus mitigé, dans le sens où il me fait quand même des beaux cils parce que il les recourbe. Donc ça, c'est très bien. Mais je trouve que voilà, niveau. Voilà, il fait pas des cils extrêmes comme le Huda Beauty, quoi. Et donc ensuite, niveau favori, donc niveau top de cette vidéo, donc déjà les pinceaux. Les pinceaux Nocibé, ça je savais, mais c'est des tops, clairement. L'éponge, top, top, top. Donc elle va remplacer la Beauty Bay qui est complètement morte.
La palette d'highlighter, top aussi. Franchement, j'ai rien à dire pour le prix. Elle a 2 €, il me semble. Donc, pour le prix, vous pouvez foncer. L'highlighter KVD, le blush KVD, pareil, je surkiffe ce blush. Comme je l'ai dit en fin de vidéo, vous n'allez plus trop le voir parce que il y a un moment donné, il s'estompe sur ma peau. Mais après, j'en remets un petit coup d'highlighter et c'est réglé. Mais gros coup de cœur. Le spray fixateur, coup de cœur aussi. D'ailleurs, vous savez quoi, on veut fixer quand même les yeux qui sont magnifiques. Voilà, ça fait pas de mal de toute façon un peu de spray fixateur. Il sent très bon en plus, donc voilà. J'ai pas de produit sourcil parce que vous savez que je ne fais pas mes sourcils. Par contre, là, j'ai un petit poil qui commence à sortir de mes sourcils que je dois enlever. Bref, gros coup de cœur sur ça aussi. Le fond de teint, s'il reste comme il est pour l'instant, c'est-à-dire mat, etc., ça va être un coup de cœur aussi. La poudre, je sens que mon teint commence déjà à manquer de poudre, donc pas trop fan. Et puis, je crois que c'est tout ce que j'ai testé avec vous, si je dis pas de bêtises. Ouais, je pense que c'est tout. Donc, il y a un peu de tout. Il y a des flops comme... il y a la potion qui vient de partir. Il y a des flops comme des tops. Après, ça, c'est comme dans chaque crash test, il y a des tops et des flops. Donc, voilà, il y a un peu de tout. Il y a des choses que je vais retester pour me refaire un avis, comme par exemple la poudre. Le mascara, etc. La base, je vais surtout aller me renseigner si toutes les bases NYX font ça ou si c'est juste la mienne qui a un défaut. Et le plumper, bah écoutez, je le retesterai, mais pour l'instant, voilà. Je pense pas que vous voyez que en 2-3 minutes que j'ai fait la conclusion, je pense pas que vous voyez que ça ait changé grand chose. Mais sinon, voilà, je trouve qu'il fait un beau rendu sur les lèvres. La couleur est un poil trop claire pour ce que j'aime, mais ça va. Donc voilà. Donc écoutez, cette vidéo est déjà assez longue, désolée qu'elle soit aussi longue, mais vraiment je voulais faire un full face avec vous. J'espère que la vidéo vous a plu, si elle vous a plu n'hésitez pas donc à mettre un petit like, un petit commentaire et pourquoi pas vous abonner, ça me ferait très très plaisir. Et moi je vous retrouve du coup lundi parce que vous allez avoir une vidéo bonus demain sur la chaîne, donc restez connectés, demain la vidéo bonus sera là, mais du coup je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bisous tout le monde.